Voilà, chers amis mélomanes de la rumba congolaise et amoureux de Zaïko Langalanga, je profite de ma présence ici à Kinshasa pour rencontrer des personnes qui ont des choses combien importantes à raconter sur l'orchestre Zaïko Langalanga, et pas les moindres. J'ai ici la personne qui a créé le groupe Zaïko Langalanga, Delo Marcelin. Ya Marcelin, bonjour. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, c'est la même chose, bonsoir. Monsieur Delo Marcelin, entre Congolais dans la culture bantou, je dirais grand frère. Grand frère Marcelin, vous avez eu l'idée un jour de créer un groupe qui s'appelle aujourd'hui Zaïko Langalanga et qui va avoir 50 ans le 24 décembre prochain. L'idée de créer ce groupe, vous êtes parti, et parti de quoi? D'une volonté d'encadrer des jeunes, une vision de créer un groupe qui deviendra le groupe mythique, ou bien c'était juste une aventure peut-être qui pouvait s'éteindre dans le temps? Non, c'était une simple aventure parce que je voulais, aider un copain qui était venu me prendre, me dire que voilà, est-ce que comme tu viens un peu de loin, est-ce que tu ne pourras pas venir en aide d'un orchestre que je viens de fonder, qui marche pas si mal que ça, de m'épauler dans cette question-là. Bon, j'ai admis personnellement, mais c'était pas vision que ça sera un grand orchestre, non, pas du tout, loin de là, pas du tout. Donc, épauler un ami qui venait de créer un groupe, et quel était le nom de ce groupe-là? Le nom de ce groupe-là, il s'appelle Belguide National. Le groupe Belguide, mais c'était pas encore Zaïko? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il n'avait aucune idée encore de Zaïko à cette époque-là, pas du tout. Ouais. Ok, alors, des Belguides nationales, comme vous le dites, vous allez créer les groupes Zaïko. Comment les choses se sont-elles passées? Bon, comment je pourrais dire? Malheureusement, heureusement pour moi, ça s'est passé d'une brutalité amicale. On s'est séparés méchamment. Bon. Allez, dites-nous la vérité. Hein? Ici, on est vraiment dans un cadre convivial. Vous êtes séparés méchamment. Méchamment, parce qu'il y avait une certaine promesse qui ne s'était pas tenue. Alors, de mon côté, je ne savais pas comment m'en sortir. Alors, j'en ai profité de cette situation pour... Attendez, une promesse tenue que vous n'avez... Non, une promesse, pardon, que vous n'avez pas réalisée. Et en plus, qui ne sera jamais réalisée. C'était quasi pour moi, à cette époque, impossible. Et c'était quoi? La promesse de leur faire part d'un équipement complet des instruments musicaux. Donc vous avez promis au groupe Belguide un équipement complet d'instruments musicaux. À l'époque, je ne sais pas comment ça coûtait. Alors, j'étais encore étudiant, logé, nourri chez mes parents. Alors, essayer de comprendre où j'aurais cet argent pour acheter des instruments. C'était par aventure, j'ai dit comme ça par là, et puis ça va se passer, non, et l'orchestre continue toujours à marcher, alors j'ai dit, oh là 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 là, je m'en sortais plus. Alors, je résume, hein, en deux mots, vous dites, il y a un groupe qui s'appelle Belguide, vous avez promis des instruments, de l'équipement musical à ces groupes, mais vous n'avez jamais tenu promesse. Qu'est-ce que devenu cet orchestre par après? Oh, par rapport à cet orchestre continue toujours, hein, après moi, d'après ce que je dis, il y a beaucoup de jeunes dans notre époque, à cette époque, beaucoup de jeunes qui sont passés dans cet orchestre, mais ça ne sortait jamais. Ils venaient, ils restaient 4 mois, 6 mois, et puis ils partaient ailleurs. Je n'ai jamais compris qu'il y avait des éléments valables, hein. J'en ai connu, tels que Zamangwan est passé par là, Matsime est passé par là, Gégé. Manga est passé par là, beaucoup de gens ne sont pas là, mais ce n'est jamais sorti de cette orchestre, je ne savais pas. Je ne sais pas le pourquoi, je ne sais pas. Et qui, par exemple, en tant que chanteur, sont passés par là? Oui, beaucoup ont commencé par Jossard, Nyoka Longo, Lita Bembo,
qui est encore sur Lola, Lola c'est Dido, le papa de Dido. Il y avait encore chanteur de Yéna, Marge Bills, de Stukas, le petit Gabi, petit Gabi. Ah, qui sont l'Anzita. L'Anzita. Ça fait tellement longtemps, hein, on comprend l'oubli. Alors, de cet orchestre Bel Guide, l'idée vous est venue de créer Zaïko. Et vous avez dit qu'il y a eu une rupture brutale tout à l'heure en nous entretenant. C'est-à-dire que vous étiez convaincu que le groupe là n'allait pas aller loin et que vous avez eu l'idée de créer plutôt l'orchestre Zaïko pour rassembler les êtres, plutôt les éléments valables de Bel Guide. Oui, c'est que je n'étais pas le seul d'être convaincu que l'orchestre n'allait pas loin. Et même, ils étaient sur convaincus que ça ne partait pas loin. Okay. Alors, vous comprenez. Alors, j'en ai profité pour créer mon orchestre séparément. C'était lorsqu'on discutait avec certains éléments de cet orchestre, il y a mon neveu qui est devenu, nous nous séparer ensemble, c'est André Bita qui va devenir le cofondateur de Zaïko. Alors, par le fait de collège, je dis à Bita, bon, on traverse l'avenue. On parle, trouver Manok ou Pepe Félix. Voilà. Je lui ai posé la question. Est-ce que tu peux faire partie de mon orchestre que je vais créer? Il m'a dit, oui, carrément, oui. Et je dis, d'accord, celui-là. Et c'est le tout premier élément de Zaïko Langla. OK. On parle encore le nom de Zaïko. C'est le nom de Zaïko, ouais. Alors, vous me disiez tout à l'heure que vous aviez un ami personnel qui lui venait d'Njili et que qui sera l'un des chanteurs de ce groupe. Qu'est-ce qu'il avait en particulier? Qu'est-ce qui vous a séduit chez lui? Qu'est-ce qui vous a, convaincu qu'à partir de cet ami, quelque chose de beaucoup plus costaud et solide allait se faire? Et quel est cet ami? L'ami que vous parlez, c'est José Nyoka, dont il est bien connu sur le nom de Nyoka Long, je sais ça. Lorsque nous étions dans l'orchestre de Bel Guide, on s'est fait l'amitié ensemble avec le gars, avec Jossa. Alors, on s'est fait quatre souvent avec lui. Un jour, il est venu à la maison, avec, comme d'habitude, il avait un carnet de chansons. Alors moi, je lui ai posé la question, José, c'est quoi ces chansons? Ce sont des chansons. Moi, j'avais cru que comme José, il était trop fanatique de Tabouleh Rochereau, que c'était son nom de Rochereau. Et j'ai pris le carnet, en feuilletant, je ne trouvais aucune chanson de Rochereau. Alors, je repose donc la question. Mais je sais, mais il n'y a aucune chanson de Rochereau. Non, ce sont mes compositions. Et je dis, s'il vous plaît, mes compositions. Ouais, bah, hasard, ben, celui-là. Au premier moment, je n'ai pas cru. Hein. Hasard, je pense que. Chante ça. Il chantait. Par cœur, chante ça. Alors, il y avait au moins plus de 100 chansons. À cette époque-là, 100 chansons. Quel âge avait-il? Oh, 16 ans, 17 ans. 16 ans. 16, 17 ans. Ouais. Un talent inné. Inné. Ça, il faut mettre un talent inné. Ça, je le confirme. Je sens un talent inné. Je me suis dit, c'est pas possible. Un garçon pareil avec des chansons pareilles. Non, non, ces garçons, je ne veux pas les laisser comme ça. Vraiment, je vais pousser encore l'amitié ensemble avec lui. Et c'est pour ça qu'on est venus comme des frères ensemble avec Jossard. Ok. Alors, une particularité des Jossard, de ce que nous voyons aujourd'hui, c'est un garçon posé, calme, qui ne parle pas beaucoup. Est-ce qu'il était comme ça à cette époque-là, ou bien il a changé au fil du temps? Non, il était toujours comme ça. Il était toujours comme ça. Quand vous avez des artistes, des chanteurs tels que Lita Bembo ou d'autres, et vous avez un Jossard posé, calme, vous avez cru en lui qu'il allait vraiment être l'un des chanteurs piliers de l'orchestre Zaïko, vu son tempérament? Non, cru être le pilier, je ne crois pas à cette époque. Mais être un grand chanteur, oui. Déjà à cette époque, oui. Être un grand chanteur, oui. Mais pilier, ça, non. À cette époque, on ne peut pas savoir.
Mais un grand compositeur, oui, et surtout, il est toujours un bon chanteur, et calme, c'est ça, il était calme, bien posé. Comment c'était à l'époque, je ne peux pas dire que j'étais le premier à le découvrir, mais je suis parmi les gens qui ont découvert que Josas, ça sera un jour un grand musicien. Ouais. Alors, il y a Josas, il y a Pepe Feli, il y a également Papa Wemba, et un orchestre est né. De la suite d'une promesse non tenue d'acheter des instruments à Belguide, vous créez un autre groupe et ce groupe va s'appeler Zaïko Langalang. Vous baptisez, vous donnez à ce groupe le nom de Zaïko immédiatement. Comment ça s'est passé? Pas immédiatement, c'est après, avec des idées, on cherchait le nom Zaïko, Koko, Zaïko, Monet, comme ça. Et puis, comme ça, d'un coup, comme ça, je me dis, bon, Zaïko. Zaïko, Yabakoko, avec le cas. Zaïko, Yabakoko. Chers amis, Tozana Katali Solo, on est entre nous ici. Voilà. D'ailleurs, je précise qu'on est dans le bureau de Josar, qui lui-même est parti pour une réunion de Sokoda ici à Kin, société d'auteurs-compositeurs congolais, donc, où il est le vice-président, c'est bien cela. Donc il a une réunion de Sokoda, il va nous rejoindre, donc il sera même à cette place-ci, et donc nous avons squatté, comme on dit, son bureau pour échanger entre nous. Voilà, nous allons continuer avec Marcelin, grand frère Marcelin. Alors, l'orchestre va s'appeler Zaïre Yamakoko Zaïko. Deux chanteurs, un guitariste qui est Pepe Feli, et puis d'autres chanteurs vont s'ajouter, d'autres musiciens vont s'ajouter. Qui seront ces chanteurs et musiciens de la première heure, peu après ces trois-là? Je parle toujours comme les musiciens de la première heure, ce sont des musiciens qui ont fait qu'ils étaient de la première sortie. Hein, donc, il y avait quatre chanteurs qui étaient de la première sortie de Zaïko. Il y avait Nyokalong Joseph, Wembadi Jules, Mavela Simon et Volok Antoine. C'est ça, je crois que... Vous citez même leurs prénoms, quoi. José, Jules, Simon, Antoine. Ouais, Antoine, ce sont les quatre premiers chanteurs de Zaïko. Et comme instrumentiste? Ce mois-ci, il y avait Pedro Manuako, c'est Pepe Feli, Zamangwana Zéphirin, c'est Enoch, Albert Teddy Soukami, c'est Teddy, Damien Debo, bassiste, et moi Capius, deux bassistes. Alors, il y avait aussi le type yéyé, à l'époque, à cette époque, il y avait beaucoup de jeux yéyé. Pour le rythmique yéyé, il y avait Matima, le yéyé, avec comme chanteur Mbouta Machakado, tunisien, les gens ne l'ont pas tellement connu, ce garçon, tunisien. Chanteur aussi. Ce sont les premiers chanteurs tunisiens et Otis qui va rejoindre les Zaïko après. Ok. Est-ce qu'il y avait à cette époque-là un batteur? Oui, il y avait un batteur, il y avait deux batteurs même. Il y avait Baudouin Micho, le premier batteur de Zaïko, Baudouin Micho, rythmique. Il y avait le deuxième batteur pour la musique hier, c'était André Bim, Mbalé. Bim Yombalé. Oui. Il était batteur pour le yéyé. À l'époque, on appelait ça yéyé, mais c'était plutôt la musique rhythm and blues. À l'époque, oui. Rhythm and blues et rock. Ouais. Voilà. En tout cas, merci pour cette première partie et de notre entretien. J'ai le plaisir d'avoir un ami de Josar, un ami d'enfance, qui s'appelle Freddy Elonga. Je signale que celui que vous venez de voir ici, Marcelin, il y a Marcelin, c'est un Belgicain, comme on les appelait à l'époque, c'est-à-dire que des jeunes Congolais qui allaient étudier en Europe. Et Freddy Elonga est aussi un des Belgicains, ami de Josar.
Alors, Freddy, pour que les gens vous découvrent, Freddy Elonga, le nom là, il est connu au travers d'une chanson, de plusieurs chansons. Parlez-nous un peu de vous, même si ce n'est, je sais que ce n'est pas facile. Ben, comme tu dis, hein, c'est pas facile de parler de soi, mais je peux commencer. Savez, on était tous des enfants, 15 ans, 16 ans par là, et j'ai pris contact avec Zaïko, hein, comme tous les adolescents de cette époque. Nous étudions en Belgique, mais quand on revenait au pays pour les vacances, ben, l'orchestre qui faisait succès pour la jeunesse à l'époque, c'était Zaïko. Parmi les orchestres en fait des jeunes, il y avait Zaïko, à l'époque il y avait aussi Stukas. Les Touzaïna étaient déjà un peu plus vieux, mais c'est ainsi qu'on fréquentait plus Zaïko. Et moi personnellement, j'ai commencé en fait à fréquenter Zaïko en 72, donc en 72. Ouais, c'est là que j'ai connu les Jossards, les Voloko, les Papa Wemba. Donc c'est à cette époque-là que j'ai commencé à les fréquenter, durant les vacances quand on venait donc à Kinshasa. Et comme moi-même aussi, j'aimais beaucoup jouer à la guitare, j'ai commencé à fréquenter Teddy Sukami, hein, dès cette époque-là. D'ailleurs, c'était parmi les premières personnes que j'ai pu commencer à fréquenter, Teddy Sukami, 72, 73. Et en 74, avec Teddy Sukami, nous avons fait la chanson qui porte le titre de Hello. Alors, vous avez fait la chanson qui porte le titre d'Hello, une composition de Teddy Sukami. Et Hello, c'est qui? Bon, il se fait que c'est moi. C'est... Hello n'est que un diminutif de Elonga. Elonga. Oui, donc c'est ainsi que Teddy, en fait, l'idée de mettre le nom de Hello est venue de Teddy. Parce que quand cette chanson-là a été composée, bon, Teddy avait déjà fait la plus grande partie, les moutures. Moi, j'ai ajouté un peu quelques idées. Hein, et c'était en 74, donc, comme je l'ai dit. Ensuite, je suis rentré en Belgique. À la fin des vacances, je suis reparti en Belgique. Et c'est pendant que j'étais en Belgique que j'entends qu'on parle d'une chanson Hello. Parce que pendant qu'on était là, donc le titre comme tel n'était pas encore vraiment mis. Et c'est après que Teddy, dans son idée, était que il disait, cette chanson, nous devons mettre vraiment un nom. Et comme il se fait qu'on a travaillé cette chanson avec toi, ben, j'ai mis le titre Hello. Voilà. C'était un peu ça. Tu es proche des Zaïko depuis de nombreuses années. Tu l'as dit ici, la chanson Hello, c'est Hello, c'est Elonga. Alors, une image qui est restée, l'un des concerts des Zaïko Langalanga à la télévision, où ils sont en couleur vert, rouge, jaune. Je pense que c'était à la voix d'Isaïr, je pense, Isidio Mamangebi, si je m'abuse, en 1975, je pense. Alors, il y avait une tension qui était visible, en tout cas perceptible par tout le monde qui connaissait, qui revoit ces images-là. Aujourd'hui encore, les images existent sur Internet. Qu'est-ce qui s'était passé? Bon, il y a de ces histoires que, évidemment, aujourd'hui, ça devient comme une histoire banale, une histoire comique même, je peux dire. Mais à cette époque-là, on était tous jeunes. Hein, je pense que c'était des histoires de jeunesse et tout ça. En fait, pour bien situer l'histoire, nous sommes en 1975, pendant les vacances, et comme toujours, je suis à Kinshasa pour les vacances, et ce jour-là, on avait décidé, je ne sais pas pour quelle raison, on avait décidé de faire, de jouer, ou de faire une répétition, enfin c'était une répétition de l'orchestre, chez moi à la maison, chez mes parents en fait, à l'époque de toute façon chez mes parents. On était là, justement Jossard, il y avait Bimion Ballet, il y avait Likinga, il y avait Pepe Feli, il y avait Teddy Sukami. Tous Zaïko quoi. Pratiquement tous, mais Mouta Machaka n'était pas là,
Et il y a peut-être deux, trois musiciens autres qui n'étaient pas là. Et subitement, pendant qu'on était en train de répéter, nous voyons, il y a un journaliste de la RTNC, Mandache, moi, je crois. Je ne me rappelle plus exactement le nom, peut-être Jossa va se rappeler du journaliste. Il est venu, bah, sûrement il a cherché Zaïko à Matongé, à Kasavubu et tout, et on lui dira que non, ils sont à tel endroit chez Freddy Longa, donc c'est là-bas que vous allez attendre de répéter. Et il est venu. Alors, imaginez-vous, les musiciens étaient habillés vraiment à l'ordinaire. Tu sais, c'est vraiment les habits de tous les jours. Et il faut voir aussi la mode à cette époque-là, c'était un peu des couleurs jaune, rouge, vert, comme ça. Pas d'éléphant. Pas d'éléphant. C'était la mode à l'époque. Mais ce que les musiciens avaient mis comme habit ce jour-là, c'était vraiment l'habit de tous les jours, quoi. C'était pas prévu une fête ni un passage à la télévision. Donc, il est venu comme ça chercher le groupe. On vous attend sur le plateau. Vous êtes programmé pour passer à la télé. Ah bon? Bon. Est-ce que c'était une demande, Zaïko, il y avait un accord déjà au préalable ou bien quoi? Mais c'était une surprise, quoi. Bah, écoute. Attendez, Freddy. Ce qu'on a vu là, la qualité, que ce soit la cohésion du point de vue des chants musicaux, c'était pas préparé. Non, absolument pas. C'était une improvisation. On est venu nous chercher, séance tenante. On vous attend sur le plateau, vous devez passer. Là, c'est souvent tout ça pressé, il faut qu'on y aille. Tout ce qu'on a fait, on a emballé nos histoires, on est parti au studio. Et là, c'est là-bas qu'on a rencontré les autres musiciens aussi, qu'on avait pris soin de prévenir, les Mouta Machakado et tout ça. Et c'est là où on les exposera, bon voilà, vous allez faire un peu quelques pas de danse, quelques chansons et tout ça, et ça va passer donc à la télé. En différé, heureusement d'ailleurs, parce qu'il y a eu des coupures, on a recommencé quelques deux, trois chansons, mais en fait c'était sur place, vraiment une improvisation, c'était pas... Oui, alors Freddy, alors la tension, une tension perceptible comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui s'était passé auparavant? Bon, écoutez, c'est ça que je dis, il faut prendre ça pour... c'est des problèmes de jeunesse, peut-être, de tête d'affiche, peut-être, et tout, hein. Donc là, je ne vais pas entrer vraiment dans les détails comme tel, mais nous aussi, qui étions là, hein, on était là pendant que les musiciens prestaient, nous avons seulement vu qu'une tension, ça commençait à monter entre Jossa Nyokalongo et Mbuta Machakado. Et est-ce que c'est des problèmes qui dataient, quoi, et que c'est venu exploser à ce moment-là? Mais bon, nous partons du fait que nous voyons seulement nos amis en train de chanter, mais on voit des tensions, une tension qui est en train de monter. Et de loin, on faisait des signes pour calmer les gens. Alors, après, dès que la chanson est terminée, je crois que c'était la chanson de Béli Machakado. Le Mbuta qui était en train de... À un moment donné, on voit Mbuta, il allonge seulement la chanson, et Jossa recule, il n'a plus répondu au dernier chœur de la chanson. À un moment donné, la chanson, évidemment, Jossa faisait des signes pour que la chanson se termine, quoi. Mais Mbuta prolongeait, à un moment donné, Mbuta Machakado était devenu un peu leader, dans des têtes d'affiche, comme on les appelait. Têtes d'affiche, c'est vrai. Vraiment, d'accord, il a fait avec ses danses et tout ça. Et il y a eu aussi une période, je ne pourrais pas te situer exactement la période, Bim Youssef est devenu un peu tête d'affiche. Est-ce qu'il y a des conflits de leadership? Peut-être, ça entre aussi en jeu. Hein, chacun veut s'exprimer, chacun veut être au-dessus de l'autre. Il y a eu ces effets-là qui se passaient. Ok, merci beaucoup Freddy pour cette info, cette précision. Maintenant, revenons à Jossa. Est-ce que vous sentiez déjà à cette époque qu'il avait en lui une vision que d'autres n'avaient pas? Est-ce que vous sentiez déjà en lui une stabilité que on ne voyait pas chez d'autres? Est-ce que c'était perceptible déjà à cette époque-là? Moi, je pense que oui, je suis resté avec Jossa longtemps, on a été à plusieurs endroits ensemble. Il a
il a ce caractère-là de leader, en fait. Hein. Et comme on dit, ce n'est pas... Il y a des gens qui naissent comme des leaders. Hein, on ne leur apprend pas à être leader. C'est inné. Mais je crois, dans le cas de Jossa, ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit « Écoute, c'est toi qui vas devenir le chef de Zaïko. » Je crois que c'est par son à ses attitudes, sa prestance, c'est venu naturellement, il a pris la tête de leadership en fait de cet orchestre et il s'est imposé jusqu'à maintenant. Et toi qui le connais très bien, plusieurs départs, il y a le groupe Issifi et d'autres, Pepe Feli, et plus tard... Le groupe Zaïko Familia Day, mais entre les deux, il y a eu d'autres qui ont quitté l'orchestre Zaïko. Est-ce que tu as senti qu'à un moment donné, l'homme était vraiment affecté? Est-ce que tu as senti qu'à un moment donné, il y aurait eu un sentiment d'abandon ou jamais? Écoute, on a tous nos faiblesses. Je crois qu'en tant que personne... Nous rencontrons des difficultés dans la vie, dans notre vie de tous les jours, vie familiale, vie publique et notre travail. Je pense que Jossard n'échappe pas à la règle. Il a rencontré beaucoup de difficultés dans sa vie et dans sa vie professionnelle. Et ce que j'ai pu retenir de nos conversations, il a eu beaucoup de peine, en fait, le départ de beaucoup de ses amis. Surtout avec ses amis avec qui il a commencé sa carrière musicale. Voilà. Et je crois que c'est un peu le seul musicien, malgré que tous les autres étaient partis, il est resté un peu le coordonnateur, je peux dire, le point fédérateur. Le lien avec tous les autres. Je ne pense pas, et ça pourra peut-être me contredire, qu'il a des problèmes avec des individus particuliers, hein, des anciens de Zaïko. Mm-hmm. Au contraire, même ceux qui étaient partis, quand il y avait un problème, par exemple de décès d'un musicien de Zaïko, tous se référaient à Jossar, Tosa Anine. Et là, pour cela, je peux prendre l'exemple lors du décès donc de Bibi Mbale. On était avec Jossard en Afrique du Sud pour l'album, le maxi single de Mon Congo Koba. Et lorsque nous avons reçu le message, la femme de Bimi a appelé directement Jossard pour lui annoncer la mort de son mari, de Bimi Mbale, qui venait de se produire 2 ou 3 minutes auparavant, directement. La première personne qu'elle a appelée, c'est Jossard, qui était en Afrique du Sud. Okay. D'abord, on a arrêté, on était en plein studio, on a arrêté pendant quelques minutes, il a prié, une première chose, il a prié, il s'est mis à genoux, il a prié, et puis après, des appels commençaient à venir. Papa Wemba a appelé. Mon suko yosate tosa ni. C'est vrai. Donc, c'est un élément fondamental, je pense que, et il a toujours été là pour ses amis. Toujours été là pour ses amis, mais ceux-ci parfois n'ont pas toujours été aussi fidèles qu'il a été. En tout cas, Freddy Longa, merci pour ce témoignage, que dirais-je, intime. Hein? Tu connais mieux Jossard que quiconque. Dernière question, Zaïko, 50 ans. Toi, tu y as pensé qu'un jour, Zaïko puisse battre le record de tous les orchestres congolais modernes connus, 50 ans d'ancienneté. Est-ce que tu as cru, c'est pas moi, 20 ans d'anniversaire de Zaïko à 30 ans, est-ce que tu as pensé un instant qu'un jour, ça serait l'orchestre le plus, à un moment donné, ça serait l'orchestre qui battra le record de longévité? Sans mentir, je ne pensais même pas à cela. Oui, chaque année... Ouais, quand je suis à Kinshasa, bien sûr, je participe à la célébration de l'anniversaire de Zaïko, les 10 ans d'anniversaire, les 20 années, et ainsi de suite. Mais le temps passait,
Je pense même pas qu'on se rendait compte que le temps était en train de passer et qu'on arriverait à 50 ans. Et c'est seulement quand on arrive qu'on se dit, tiens, en fait, c'est vrai, on y est, c'est 50 ans. Mais je ne pense pas que quelqu'un vraiment avait une vision que non, on doit arriver absolument à 50 ans. Et tout. On vivait, on vit avec notre la musique, les haïkos, et chaque année, on célèbre. Ouais, il y a eu des années où il n'y a pas eu de célébration, d'accord, mais au moins, il y a eu des années phares où grandes fêtes. Ouais, bon, Zaïko fait son chemin, mais personne ne pouvait prédire que Zaïko arrivera un jour à 50 ans. Mais on y est. Et je pense même 55 ans arrivera aussi. 55 ans arriveront. Merci beaucoup, Freddy Elonga. Et voilà, comme vous avez pu le constater, chers amis, parce qu'ici, il n'y a pas question d'auditeurs, ce sont des amis qui nous suivent. C'est une interview plutôt, je dirais, relax, on est en famille, on est dans le bureau de Jossard, comme nous l'avions dit au début. Et donc, très bientôt, nous allons accueillir lui-même Jossard pour quelques minutes. Nous avons voulu que cet entretien ne soit pas ce qui a été dit, qu'on redit, sur lequel on discute, non. Des témoignages tout simplement personnels, des anecdotes. Voilà, merci beaucoup. Voilà, chers amis, comme on le disait tout à l'heure, nous sommes dans les bureaux du président Jossard, relax, cool, Lissolo, entre Busso. Alors, ce n'est pas tous les jours que nous rencontrons le président Jossard, nous saisissons notre présence ici à Kinshasa pour lui poser une ou deux questions et surtout le laisser parler dans le cadre du cinquantenaire de ces jubilés d'or des Haïko. Alors, président Jossard, bonsoir. Bonsoir, Klein. Président Jossard, cette fidélité, cette longévité, cette persévérance, ces records battus d'un homme dans un orchestre congolais, des rumba congolaises, c'est dû à quoi? C'est pas un mystère. C'est dû d'abord à l'amour que je porte à ce groupe, qui est pour moi un enfant. On ne peut pas abandonner son enfant, que ce soit les difficultés, les problèmes que vous pouvez rencontrer. Donc voilà, c'est ça. Et cet amour, donc, cette passion pour cet art qui est la musique. Cette passion pour cet art qui est la musique, cet amour pour un enfant que tu as vu naître. Merci, président Jossard. Je sais que si on te posait la question sur des anecdotes, il y en a tellement, et à mon avis, tu ne serais pas par où commencer. Mais s'il y a l'une ou l'autre chose que tu aimerais nous confier, nous dire, qui fait Zaïko et qui fait Jossard et qui fait l'amitié qu'il a liée ou pas liée avec un certain nombre dans l'orchestre ou autour de l'orchestre Zaïko Langalanga. Quelle anecdote pourrais-tu nous raconter? Les anecdotes, j'en ai tellement, parce que 50 ans, c'est pas peu. Quand nous avons commencé avec les amis, j'avais 16 ans. Le plus jeune entre nous, le premier arrivant du groupe, c'était mon oncle qui avait 15 ans. Et papa et moi avaient 10 enfants. Tilly Soukami avait 18 ans. Non, Tilly Soukami avait 17 ans, je crois. Ce que je suis aujourd'hui, je le dis à chaque fois, c'est grâce à Dieu. C'est son plan pour ma vie. Mais ce que je suis aussi aujourd'hui, c'est grâce à ces quatre personnes. Et le cinquième n'est pas un cofondateur, mais c'était pour nous un encadreur, un ami avec lequel nous étions ensemble dans l'orchestre Belguide, qui était notre soliste, c'est Gégé Mangaya.
Je dis c'est grâce à Dieu, c'est grâce à Marcelin Dello, à André Bita, au Vieux Mongombe et à Devi Mwanda et à Jeje Mangala que je suis ce que je suis aujourd'hui. Donc grâce à Saïko. D'abord grâce à eux. Parce que ils ont compris quelque chose qui était en moi par rapport à leur envie, à leur projet pour faire de ce groupe un grand groupe. Dernièrement, je parlais à une personne, je lui ai dit, il m'a posé la question, « Saïko, comment vous avez fait pour trouver cette appellation de Saïko ?» Je lui ai dit, c'était même pas au début de notre orchestre. C'était, je crois, Marcel, je ne sais pas si il peut avoir un bon souvenir. Je crois que c'était même deux semaines avant notre sortie. Il y a des noms qui, chacun a avancé ses noms parmi nos dirigeants, le Marcelin, les quatre cofondateurs, et d'autres qui étaient là, les Olumi, les V15, paix à leurs âmes. Et il y a un nom qui nous a fait tous rigoler ou sursauter, c'est quand le vieux Devi Mwanda dit, ah, tout le monde s'arrête à Combo, donnons à ce groupe le nom de Batinalok. Tout le monde a dit, oh, Batinalok! Parce que Makinaloka, c'était une maison de passage, un hôtel à Matongé. On a dit, oh, comment on peut donner à notre groupe le nom d'une maison de passage? Et c'est entre eux, de la famille Mangaya, de la famille Akere, de la famille de Delo, qui est quelqu'un parmi eux, qui avait un aîné à lui, qui faisait partie d'un groupe à Bruxelles, qui s'appelait Saïko, Saïko avec C. Mais je crois que c'est Marcel qui avait avancé ou André Bita ou je ne sais plus qui. Mais c'est Dévé qui a eu l'idée de que sur ça, Zaïko avait K. Donc Zaïri Yabakoko. Et pendant ce temps, le pays était encore la République démocratique du Congo. Alors là, c'était par rapport à l'histoire de notre pays, la découverte de Dingukao, de l'embouchure du fleuve Congo, quand il a posé la question, c'est quoi ça? Et les habitants, les Congo, les Congolais, etc., on a dit Nzadi. Lui, il a pas bien compris, il a dit Zaïre. Et au fil des années, quand on discutait, même le VDV le disait, moi je l'ai chanté dans l'une de nos chansons qu'on a aussi au Ghana, à Accra, en 1976, 76. J'ai dit, c'était comme une prophétie, cette appellation de Saïko. Saïko, le zèle des ancêtres, le fleuve de nos ancêtres. Et on le disait, et moi je l'ai chanté, que notre orchestre ne disparaîtra pas jusqu'à ce que notre groupe Saïko fasse son entrée dans les concerts des grands groupes. C'est-à-dire, le fleuve, comme le fleuve Congo, dont le fleuve Zaïre dans le temps, comme le fleuve s'est jeté dans la mer, et ce qui s'est fait aujourd'hui, 50 ans après, même avant 50 ans, Saïko fait partie des grands groupes, de ce groupe. Et c'est le seul groupe congolais qui a totalisé 50 ans. Là, c'était comme une prophétie. Donc, moi, je vois maintenant, au fil des années, que Saïko, comme on le dit aujourd'hui, c'est une œuvre de Dieu. Merci, Président Jossard. On voit la croyance en vous. Deux fois dans votre propos, vous avez parlé de Dieu. Et j'ai entendu aussi un témoignage. Tu m'avais dit. Quand je vois Marcelin, Marcelin et notre cofondateur André Bita qui est parti, Jeje Mangaya, j'ai un grand souvenir parmi, si je dois dire, l'amour pour cet art, l'amour aussi pour cette aventure que nous avons commencé. Et un jour, quand je me suis absenté pendant trois jours à la répétition, parce que je n'avais pas l'argent pour quitter Kibasekenjili et descendre à Kassabou pour la répétition. Il n'y avait pas de G5 dans ce temps-là. Et chez nous, Angili, le téléphone, c'était, nous habitons le quartier 13, aller jusqu'à la poste, au quartier 7 pour appeler.
Donc c'était pas facile pour les prévenir que je ne dispose pas de moyens pour venir, et puis par rapport aux parents et tout, il fallait inventer une histoire que je ne pouvais pas inventer chaque jour pour me donner l'argent pendant les vacances de Noël, les vacances de Pâques. Et j'étais à la maison, j'ai vu Marcelin et un début à débarquer. Oh, on va te chercher. On va te chercher, mais moi j'ai rien. Non, en fait, on va aller étudier. En tout cas, je vous dis, s'il faut que tu passes la nuit à Kassavou, tu vas passer la nuit à Kassavou. 3 jours, c'est tout. On va aller comment? On va faire les pieds. On va faire les pieds. Et puis, on a fait du pied. Njili à Kassavou. Njili à Kassavou. Tout un symbole. Si ce n'est pas aimé à ce groupe-là, c'est qu'on fait comme métier. De Njili à Kassavou, on peut estimer combien? 20 kilomètres? Njili, Saint-Thérèse, c'est 16 kilomètres. J'étais pas loin. Président, autre question que les gens, et je terminerai par là. Je signale que Zali Solo, le président Jossard, vient d'une longue réunion à la Sokoda, donc l'état de fatigue étant. Une dernière question. On vous reconnaît comme étant l'un des meilleurs danseurs de ce groupe depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous prenez le temps de répéter ces danses-là ou bien c'est inné chez vous? Là, la question est aussi simple que ça. Je ne prends pas le temps pour répéter. Je ne répète pas ces danses-là. C'est inné. C'est inné. Comme on dit, comme je l'ai dit tout le temps, les Aïko nous avons apporté beaucoup dans cette rumba congolaise. Vous savez, c'est le groupe qui a révolutionné cette musique, même au niveau des danses. Au niveau des danses. Les Aïko, nous sommes ensemble avec Lita Bembo, qui l'ont introduit les pas des danses de notre culture, de nos folklores dans la rumba congolaise. Avant, ça n'existait pas. Avant, c'était beaucoup plus les danses un peu occidentales. Hein? Si on peut écarter le boucher qui est venu du Congo-Brazzaville, les kara-kara que nos parents ont dansé, c'était un peu... Oui, c'est avec Lita Bembo, avec son Souka, c'est Saïko, que nous avons révolutionné cela. Parce qu'il y a même nos aînés qui avaient commencé avec le Ngwabe, et puis après, il y avait le Kesetuzaïna qui a disparu. Il y avait la danse Maxi de Tuzaïna, mais c'était une danse comme une danse de rhythm and blues, quoi. C'est pas vraiment une danse bantou. Je ne répète pas, c'est inné. La preuve en est que j'ai passé 7 ans en Europe. Je suis rentré. Pendant que j'étais en Europe, il y avait déjà cette danse Vimba que nos recrues avaient commencé à danser. Moi, je suis arrivé, je les ai trouvés en train de danser. Mais ce que moi j'ai apporté, c'est ça qui a tout changé. Merci, président Jossard. Merci beaucoup. On ne vous retient pas longtemps. D'autres anecdotes sont publiées sur Internet, mais il nous fallait, lors de notre passage ici en Belgique et des projets à venir par rapport à ce jubilé d'or, avoir ne fût-ce que un petit entretien avec Jossard Niokalongo. Merci beaucoup. Oui, Clive, on peut pas se séparer comme ça sans dire un mot. Je crois que vous êtes... Si je peux dire, vous êtes artiste chanteur. Un peu. Vous êtes artiste chanteur. On se connaît depuis. Vous savez, dans ma carrière, ce qui m'a fait toujours mal, ce qui m'a toujours révolté, comme on avait chanté, Bokeh Moninga Koshimbelo Kongate. Je crois que nous, pour élever ce nom de les Aïko, on a souffert. Là, je vous ai parlé d'une anecdote, le pied que nous avons fait de Njili
jusqu'à Kassavu pour venir à la répétition. Les autres ne l'ont même pas fait, de faire Kisenso ou Gringiri pour venir à la répétition sans manger et y rentrer. C'est peut-être après avoir mangé les haricots que nous préparait maman Mangaya. Et qui s'arrange pour utiliser le nom de Zaïko Lagalaga comme ça. Ça, les ont passés. Il est passé par Zaïko. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Je crois que nous sommes rentrés depuis 2009. Au lieu de continuer à parler sur les 50 ans de Zaïko, les autres qui parlent des 50 ans de Zaïko, qui n'ont jamais totalisé 50 ans dans ce groupe, qui ne connaissent rien de ce groupe, de ses débuts, et qui cherchent à nous contredire sur l'histoire de Zaïko. Au jour d'aujourd'hui, il y a nos cofondateurs. Je commencerai par Marcel Adelo, le premier fondateur, le premier cofondateur, qui est avec nous et il avait abandonné le groupe, pas volontairement, parce qu'il devait rentrer en Europe pour ses études. C'était, je crois, 3 ans après ou 4 ans après la fondation, la création du groupe. Il y a le vieux Henri Mongombe, pareil. Pour des raisons de service, dévoragé pour l'Europe, était parti. Il y a le cofondateur André Bita, qui pour des raisons de service, comme il travaillait à la banque commerciale zaïroise, pour raison, il n'avait plus beaucoup de temps pour s'occuper de nous. Il y a le vieux DV, qui était resté avec nous. Si on cite souvent son nom, parce qu'il était parmi les cofondateurs, le seul qui était disponible, parce que les autres étant empêchés par leurs occupations professionnelles et étudiantines, comme Marcel Andelo. Il a continué avec nous. Et il avait perdu son emploi à cause des Aïko. Et comme il savait jouer au conga, au tam-tam, il est resté avec nous. C'est pour cela que nous tous, on l'appelait fondateur. C'est lui le seul. Ce n'est pas que les autres avaient abandonné vraiment le groupe parce qu'ils n'en voulaient plus, non. C'était par rapport, à, comme je disais, par rapport à leurs obligations professionnelles. Et Marcelin, par rapport à ses études. Nous avons eu des encadreurs, comme le fait Olémi et Charles, comme le Corneille, comme ce qui est aujourd'hui au Canada, par Gérard, un cousin à la famille Mangayaï, à la famille Delo, par Novo Tembo, par Eugène Sansa. Je crois que toutes ces personnes, quand ils regardent, ils suivent dans les réseaux sociaux, dans certaines chaînes de télévision, ces jeunes frères, ces frères qui revendiquent le nom de Zaïko, parce qu'ils ont, passé 3 ans, 10 ans dans Zaïko, je crois, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Moi, je suis reconnaissant, comme je vous ai dit ici, et je l'ai toujours dit, parce que quand j'ai cité les autres, je crois que j'avais oublié de citer Papa Emba. Alors, mais j'ai toujours dit, j'avais même dit pendant ses funérailles, si je suis aussi aujourd'hui ce que je suis, c'est grâce aussi à Papa Yemba. Parce que c'est grâce à lui, c'est grâce à son improvisation que le Delo, le DV de Mongombe ont pris la décision de dissoudre cet orchestre Belguide pour créer un autre groupe dont, à partir des cendres de ce groupe. Et dans ce groupe, on a retenu Manoku, qui était là le jour de la répétition. Parce que moi, je suis arrivé en retard. Je suis arrivé. La répétition était terminée, Papa Yemba était déjà passé. Et on s'est retrouvé avec les amis au concert de Tuzaïna. Tuzaïna jouait ici, au bar Parafifi, aujourd'hui, Kipwanza.
C'est là où ils m'ont annoncé, voilà, aujourd'hui, le Christ Bégué n'existe plus. Aujourd'hui, il y a eu un gars de Matongé, Jules, qui est passé, et ils m'ont raconté l'histoire. Et que la révolution, on va reprendre la révolution après la Noël. Voilà. Mais ici... et le jour de cette révolution, le 26, c'est encore eux qui sont venus me chercher, parce que moi, j'ai quitté la maison pour venir à la révolution. On s'est croisés au niveau du cimetière, ceux qui connaissent Nigel, au niveau du cimetière, le quartier 13, avec lui et André Bita, qui sont venus me Marcelin, sont venus me chercher. Et quand je suis arrivé à la répétition, on ne m'avait pas présenté à Papa Emma. Parce que j'ai trouvé Papa Emma en train de chanter la chanson Mon Ballon Abel, et levez-moi là, Jésus Mangaya, à la guitare solo. Et il était lui sous Camille à l'accompagnement. On ne m'a pas présenté comme Papa Emma, parce que Papa Emma m'avait déjà appris qu'il y a un chanteur, je sais qui est ici avec nous, mais qui aujourd'hui n'est pas là. N'importe quoi, non, c'est ça. C'est comme je dis à chaque fois, les seuls musiciens des Aïko qui n'ont pas fait un test dans Aïko, c'est Manoa Kouakou, c'est Papa Wema, que Oyebalobaka n'importe quoi, Bilobela Pamba, Babi Soa Aïko. Aujourd'hui, même par fausse modestie, je peux dire qu'aujourd'hui, je suis le seul, comme je disais, le seul aujourd'hui à raconter l'histoire des Aïko, les 50 ans des Aïko. Mon frère qui est parti, Papa Wemba, Evoloko, Manoaku, Papa Wemba a fait 5 ans aux Aïko et il est parti. Evoloko, pareil, a fait 5 ans aux Aïko, il était parti. Il est rentré, revenu dans l'orchestre, en 80. Manoaku était avec nous, il est parti en 80 aussi. En 80. Donc je suis le seul aujourd'hui qui peut raconter l'histoire des Aïko. Et personne ne pourra me contredire. Personne. Personne. Aujourd'hui, tout le monde est devenu historien pour raconter l'histoire des Aïko, pour la publier. C'est du faux. Il y a le livre des Aïko qui va sortir. Et nous mettons tout le monde, ceux-là qui croient que ce sont eux qui connaissent l'histoire des Aïko, nous le mettons au défi qu'ils viennent, qu'on fasse un débat. Si même vous leur posez la question, le premier concert des Aïko, ça s'est passé où? Ils vous diront tous Hawaï. Mais le deuxième concert, ça s'est passé où? Ils ne savent pas. Le troisième concert, c'est pas loin d'ici. C'est ça qu'à savoir où. C'est pas loin d'ici. Et c'était quand? Ils ne le savent pas. Et le quatrième concert, c'était où? C'était à Lingwala. Mais quel bar? Parce que nous, on jouait derrière là, comme il y avait un mur, on préparait le fumbo. Il y avait l'odeur qui nous montait tous, comme on avait fait. On commençait le concert à 13h, 14h. Qui connaît cette histoire? Si ce n'est que Tili Soukam là où il est, Papa Wemba, moi, les cofondateurs Manoaku, Damien Debo, Oncle Papus, et donc Zamangana et les autres. Toute une histoire à raconter. On leur pose la question, qui est le premier batteur des Aïko? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Aujourd'hui, ça me fait plaisir. J'ai vu sur Facebook une photo de mon petit frère Manoaku avec Ladji, Milandou. On dit que c'est Milan qui a appris à Bébé Féli la guitare. Milan fut notre bassiste dans l'orchestre Belguide. Comprenez? Donc Manoaku est arrivé à l'orchestre Belguide après. Manoaku n'a jamais joué avec Milan. Parce que Milan, lui, apprenait la guitare. Mais Milan était déjà notre bassiste dans l'orchestre Belguide. Vous comprenez? Donc, c'est ça l'histoire des Aïko. Oui, l'histoire était Boulobaraté, vous fondez la Milonien. Boulobaraté, parce que maman a mis le monde à boulot. Non.
Et puis, moi je comprends, ma petite, ma basse, ma bétaka. Le cas où bêta comme un saïko, ben il saïko, pour que je comprends. Pas un moyen de vivre, mais alors bon, amis, n'était. Essayez à la loi. Tant que bêta, on a saba, mais il y a qu'on peut se voir les panabans. C'est ça. Merci, Président. L'histoire des Aïko est une histoire passionnante et très passionnante. Comme dirait l'autre, une histoire qui se confond quelque part avec l'histoire de notre pays, car Aïko, c'est un patrimoine national. Et qui mieux que Josar Nyokalongo et ceux qui viennent de citer, et les grands frères Marcelin et Freddy Elonga, et la pérennisation même du groupe, la fidélité des groupes, il incarne lui-même Josar Nyokalongo. Qui mieux que lui pour raconter cette histoire des Aïko?